Italie-Norvège, 94, uniforme Victor. Alors voici l'antenne ATX 806 que je vais utiliser aujourd'hui pour le challenge QRP. Ça fait moins d'un kilo et ça couvre du 80 au 6 mètres. Et je vais être obligé de la mettre sur cette embase magnétique sur le toit du véhicule parce que je n'ai plus de trépied pour la fixer. Donc on va monter ça, ça devrait être assez rapide. Il n'y a pas grand chose à installer. Voilà l'embase. Le brin intermédiaire. Et le dernier brin qui vient se monter ici. Donc c'est assez rapide, ça se visse. Voilà, ça vient ici et on strappe pour les différentes bandes de 40 jusqu'à 10 mètres. Voilà. Donc je vais fixer ça sur cette embase. Aujourd'hui, c'est uniquement avec cette antenne que je vais vous contacter. Comme on dit, on va voir ce qu'elle a dans le ventre. Voilà, montage moins de 10 minutes. Comme prévu, j'ai mis l'antenne sur l'embase magnétique et sur le toit du véhicule. Je suis obligé de le mettre à l'arrière du véhicule parce que sur le Scénic, tout le toit est en verre. Et voilà l'antenne montée qui fait à peu près 1,75 m de hauteur montée et démontée. Elle fait, je crois, 78 cm. Elle doit peser entre 5 et 600 grammes, je pense. Et elle couvre du 80 au 6 mètres. Donc là, le strap est en place, mais pour le 80 mètres, il n'y en a pas besoin. Donc elle est ultra légère, ultra compacte. Elle est montée en moins d'une minute. Et on va voir ce que ça donne maintenant sur l'air. A tout de suite, je vais commencer par le 80 mètres SSB. Puisque aujourd'hui c'est la RRL, c'est double. Donc la télégraphie, je pense qu'on va la faire sur les bandes work. Ou alors sur vraiment le bas de bande du 40. La station est installée, toujours les mêmes conditions, FT817, le mini paddle, le micro à l'occasion, la boîte d'accord T1 et le craft qui a priori, j'en ai pas besoin aujourd'hui, mais pour une gaine de temps, j'ai accordé rapidement avec la petite boîte d'accord et la nouvelle batterie. Donc là j'ai été obligé de m'installer à côté du véhicule parce que j'ai pas assez de câbles, j'ai que 2 mètres de câbles, donc je suis installé ici. Il fait beau, environ 0 degré, mais il y a du soleil, pas de vent, donc journée superbe pour faire du R&B. Alors, je vais maintenant passer sur 40 mètres. Et on peut voir que j'ai mis le strap à la borne. Toute la musique que j'aime. Je vais maintenant passer sur la bande des 30 mètres et on peut voir que j'ai mis le strap sur la borne numéro 3. Appel 40, appel bande 40 mètres pour le challenge QRP, ici Foxtrot 8, bravo, bravo Lima portable. F8, bravo, bravo, Lima portable, appel pour le challenge QRP, repasse à l'écoute. Bravo, Lima portable, F4AVA. Ok, bonjour, F4AVA 73, ici F8 BBL portable, votre port est 59, 5 et 9, je suis donc en portable pour le challenge QRP,
en Italie-Norvège, 94, uniforme Victor. Et je teste actuellement une antenne ATX 806. F4CTJ, F8BBL portable, tu es 53, 5-3, tu es 53, Juliette November 09, Roméo, Roméo. F8BBL portable, ici ON5 Papa Victoire, ton report, tu es sur le S-mètre, c'est 55. 55 sur le S-mètre, mais c'est 59 à l'oreille, il n'y a aucun problème, ça passe très très bien, Laurent. Florida 4, Charlie, Juliette et Yankee, tu es seul. Florida 5, Juliette, Florida 5, Juliette, voilà, la matinée RNB est terminée, à peu près une trentaine de QSO avec l'antenne ATX 806 qui, ma foi, fonctionne pas trop mal. Et puis, je vous dis à demain pour de nouvelles aventures. 73, ici F8BBL QRP portable. Au revoir. La musique que j'aime, elle vient de là, elle vient du blues. Les mots ne sont jamais les mêmes pour exprimer ce qu'est le blues. J'y mets mes joies, j'y mets mes peines. Et tout ça, ça devient le blues. Je le chante autant que je l'aime. Et je le chanterai toujours. Il y a longtemps sur des guitares, des manoirs lui donnaient le jour pour chanter les peines et les espoirs, pour chanter Dieu et puis l'amour. La musique vivra tant que vivra le blues. Le blues, ça veut dire que je t'aime.